Chamber Music, c'est une commande du festival Présence Féminine. Donc, c'est Claire Baudin, qui est la directrice du festival, qui m'a appelée en me demandant une œuvre sur le recueil de poèmes Chamber Music de James Joyce. On suit le poème, donc on suit vraiment les sentiments du poète. Ça, pour moi, c'est plutôt l'harmonie. Et puis après, il y a les éléments naturels, comme les vents de mai, la voix de l'hiver, qui sont plus dans les modes de jeu et dans la manière d'orchestrer. C'est vraiment le voyage de cet homme qui tombe amoureux, qui... Il y a vraiment le centre de l'œuvre de Camille, c'est la réalisation charnelle de leur amour. La rencontre amoureuse, là, c'est quelque chose, l'ensemble, c'est vraiment d'un seul coup s'enflamme, et là, on a quelque chose de très intense. J'avais choisi d'écrire pour l'ensemble Polygone. On a toutes les familles de l'orchestre qui sont représentées, ce qui donne le champ libre en fait pour toutes ces sonorités qui me venaient à l'esprit à la lecture des poèmes. Je voulais écrire pour Fiona, qui est donc mezzo-soprano, à la fois un timbre très riche de soprano, mais aussi dans les graves, elle a une suavité que j'aime beaucoup et qui m'a inspirée et qui est largement utilisée dans le chamber musique.